Il y en a partout à terre. Mes filles jouent dedans. Ça va pas bien. Ben, bonsoir plutôt. Donc ce soir, je me lance et j'essaie la teinture Henné. Je n'ai jamais vraiment teint mes cheveux. Là. Peut-être adolescente, j'ai essayé de les colorer de manière non permanente avec genre Color Pulse. Je pense pas que ça existe encore. Mais bref, ça n'a jamais fonctionné parce que je prenais toujours genre du noir alors que j'ai les cheveux pratiquement déjà noirs. Mais j'ai vu une fille sur Instagram, je vais mettre ses informations en bas, en information. Je suis vraiment pas du monde que je connais pas normalement sur Instagram, mais genre j'en suis deux que je connais pas parce que je les trouve vraiment intéressantes puis vraiment chouettes. Puis elle, c'est ça qu'elle fait, elle utilise du henné pour colorer ses cheveux puis ça fonctionne super bien. Elle fait plus pour camoufler ses cheveux gris. Qu'elle a pas beaucoup, je pense. Mais ça, moi, je voulais essayer juste pour faire du changement. Honnêtement, j'ai jamais trippé sur mes cheveux. Je trouve. Bah. Ils sont bêtes. Mes cheveux sont juste bêtes. Puis je me suis dit, oh, un jour, je vais aller faire comme un balayage ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment cher. Fait que je me suis dit que pour le moment, j'allais tester la teinture Henné sur mes cheveux. Mais là, j'ai jamais fait ça. Fait que ça se peut que ça soit un désastre total. Ça se peut que ça fonctionne pas. Ça se peut que ça soit beau. Ça se peut que ça paraît juste un peu. Il y a beaucoup de possibilités, mais je me suis dit qu'il fallait pas que je rate. De filmer ça. Alors, je vais faire ça avec vous. C'est ça, je me suis beaucoup fiée à ce que la fille a fait. Elle a d'ailleurs une vidéo explicative que je vais aussi mettre en barre d'infos. Puis je me fie vraiment beaucoup à ça. Donc, on va commencer ça ensemble, guys! Puis j'espère que ça va donner un bon résultat. Sur ça, c'est parti! Alors moi, j'ai décidé d'y aller avec cette marque-là. C'est d'ailleurs la marque qu'elle utilisait. C'est de la marque Henné Color et Auburn. Je sais encore pas si ça va fonctionner, étant donné que c'est quand même près de ma couleur naturelle, mais qui risque rien n'a rien. Alors voilà ce que je vais utiliser. D'ailleurs, toutes les instructions sont déjà dans le livret à l'intérieur. Ça, c'est super chouette. il faut utiliser un bol en plastique, une cuillère de bois. C'est important de ne pas utiliser un bol en métal parce qu'il y a risque d'oxydation, puis on ne veut pas ça. Donc, il y a le sachet. Dis d'utiliser 200 ml d'eau chaude. Ah, oh, je vais en avoir besoin, Sophia. Mais à ce qui paraît, il en faut un petit peu plus pour avoir la texture voulue. J'ai la brillante idée de faire ça avec mes enfants. Cuillère! Maman, cuillère! Maman, cuillère! Mais j'avais vraiment hâte, fait que c'était là ou jamais. Mais je vais en avoir besoin, est-ce que tu vas m'aider? Bon, en fait, je pense que je veux que tu m'aides. Ah oh, oui, c'est bien important aussi. Des gants. Parce que c'est bien important de savoir que le henné, ben, ça tache. Il y a des gens qui l'utilisent pour se faire tatouer des choses sur les mains et tout ça, fait que c'est important de ne pas s'en mettre sur la peau. Puis ben, c'est sûr que je m'en mets sur la peau, mais au pire j'aurai des nouveaux tatouages. Écoute, je vais être comme mon mari, ça va être génial. Bon, alors je m'y mets, je vais faire le mélange, puis ben, après je vais mettre ça sur les cheveux. D'ailleurs, j'ai mis un vieux et laid chandail parce que ça aussi... c'est important parce que ça tâche. Alors j'y vais les amis, je sais pas pourquoi je me suis installée ici, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Go, allons-y. Ah! J'ai oublié l'étape à faire d'abord, c'est de se laver les cheveux, puis pas de mettre de revitalisant, puis d'utiliser aussi un shampoing qui n'a pas de parabènes puis tout ça pour créer le moins de résidus possible dans les cheveux pour que la teinture adhère le plus possible. Donc je vais aller faire ça, puis je reviens. Bon, je viens de me laver les cheveux, puis là, je les essors pour que la teinture dégouline pas sur moi. Là, je suis en train de tout répéter pas mal ce qu'elle dit dans sa vidéo. Donc, si vous voulez l'écouter comme forme de comment faire, ben je vous propose d'aller la voir parce que c'est vraiment plus professionnel, puis elle sait ce qu'elle fait. Puis, ben si vous écoutez pour rire de moi, ben vous pouvez rester, ça va être intéressant. Moi, ben vous pouvez rester, ça va être intéressant. OK! Là, Sophia, maman, elle a besoin du pot. Est-ce qu'on va mettre la poudre dedans? On va mettre la poudre. Yay! Yay! OK. Mais là, il faut pas toucher, OK? C'est sûr que tu touches. Ouais. Parce que ça tache. OK. Non, oh, ça pue! Oh, ça sent le thé vert.
Est-ce que tu fais « Oui. Non, mais il ne faut pas toucher Sophia, ok? C'est très, très important. C'est juste maman qui touche, d'accord? Ok? Oui, maman. Maman. Ah, non, non. Va... Doucement, Valkyrie. C'est parce qu'elle veut jouer avec toi, chérie. Maman, ceci. Oh là là, je sens que ça va être du gros. Non, c'est maman, mais non, c'est pas toi. Tiens, peux-tu le mettre ça dans la poubelle, s'il te plaît? On va mettre ça dans la poubelle. On va mettre de l'eau chaude. Quoi? Oui, les petits peu. Il faut vraiment pas toucher, ok, Sophia? Non. Je sens que je vais faire des dégâts. Est-ce que tu penses que maman va faire des dégâts? Non? Ok, on fait pas de dégâts. On fait ça propre, propre, propre. Bon, il y a clairement pas assez d'eau. Oups, là, j'ai peut-être mis trop. Ça va être drôle, les amis. Ça va être drôle. Ouais, ça, c'est trop liquide. Un bec. Non, mais... non, c'est caca. C'est vrai, on dirait du caca, hein? Non, c'est pas du caca, c'est du henné. C'est pour mettre dans les cheveux de maman. Comme ça, maman va avoir les cheveux d'une autre couleur. Que tu aimerais ça que maman ait les cheveux d'une autre couleur? Oh, non. Non, mais. Bon. Le mélange est fait. Ça a l'air dégueulasse. Vous pouvez vous croire que j'ai juste trouvé des gros gants de vaisselle. Il semble que tout le monde a ça, des gants, parce que c'est assis surtout, là. Bon, ça prend la job. Oh là là, c'est petit, hein? J'ai pas des petites mains. Oh man, j'en ai déjà sa main, ça va pas bien. Ah, et où ma débarbouillette? Ok. Je me suis sortie une petite débarbouillette. Débarbouillette parce que, me connaissant, je vais en mettre partout. Ah, oh, crotte. J'en ai deux sur les mains. Bon, mais j'ai un tatouage déjà. J'ai vraiment pas choisi mon moment. Bon, here goes nothing. On dirait vraiment la boîte. Oh merde. Ça va pas bien là. Je fais vraiment n'importe quoi. Je pense que je vais prendre un miroir. Ouais, je pense que je vais aller faire ça devant le miroir. Bon, j'en ai vraiment une grosse trace sur le front. Ça va sembler ça. Oh! Oh, c'est... oh non! Oh, je sens que ça va mal tenir cette affaire-là. Ok, on continue. Oh là 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 là. Quoi, je me suis embarquée, moi. C'est sûr, même pas ça de manière uniforme. Elle, elle mettait dans une bouteille puis elle utilisait comme un pinceau de coiffure. Mais un, j'ai pas ça. Puis deux, mais je sens que j'aurais vraiment pas fait une bonne job anyways. Elle, ça tombe partout. Mes fesses sont à terre. Oh my god! Pourquoi je fais des affaires de même? Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Mais ça sera pas uniforme. J'espère quasiment que ça apparaisse pas. Ok, je pense qu'en haut j'en ai assez. M'a massé ça après. Pour être sûr que. Ah. Hey, vous dire la texture et l'odeur de cette affaire-là. Là. Si c'était pour ça, là, je le recommanderais pas. Mais là, j'ai pas vu le résultat, faut vous dire rien. Là. Mais à date, là. Peut-être que si quelqu'un vous le faisait. Hey, c'est lourd là! Parce que c'est pas un genre du liquide, là. Hey, j'en ai sur l'oreille aussi. Ouais, touche pas. Oh, il y a beaucoup de caca à terre, hein. Sophia est persuadée que c'est du caca. C'est quand même drôle. Mais, en même temps, elle touchera pas. Ça fait mon affaire. Non, non, bébé! Merde! Ah. Ok, attendez, là. Touche pas, mon amour. C'est dégueu. Je suis pas. Hey, c'est vraiment lourd, sérieux, Vince. Ben... ma chef. Ouais, maman, elle met ça dans ses cheveux. C'est un petit peu dégueu, hein? Ugh. C'est bizarre, hein? Maman fait des drôles d'expériences. Maman met du henné. Henné. Non, pas toi. Toi, tes cheveux sont d'une couleur magnifique. Ils n'ont pas besoin de henné. C'est chaud. C'est chaud? Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous reviens dans deux secondes. Il y en a partout à terre.
mes filles jouent dedans, ça va pas bien. Je reviens. Ok, là, ce que je vais faire, ça va, ma chérie. Je vais m'attacher les cheveux en genre de tourbillon. J'arrive. Là, je suis avec mes mains, là, mais je vais aller les laver direct après. Là, je vais aller mettre du papier Sarah avec un sac de plastique. Puis, je vais laisser cuire ça pour 2 heures. Ils disent entre 30 minutes puis 2 heures, mais je veux que ça marche. Fait qu'on va y aller avec 2 heures. Puis, ben après ça, je vais vous revenir. Je sais vraiment. Oh my gosh. Je vais aller me laver les mains tout de suite, là. Je veux pas. Puis le cou. Oh! Je reviens. Ok, bye. On m'a déjà dit que je faisais les choses trop vite puis que je m'appliquais pas. Je comprenais pas. Là, je comprends. Fait que, petit conseil. 1. Ne faites pas ça avec vos enfants. 2. Faut peut-être m'enlever du. Je pense que c'est mes moments les plus glorieux. 2. Prenez votre temps. Sophie, elle a une chose de plastique puis elle se le met sur la tête. Donc, prenez votre temps. 3. Ayez peut-être les outils appropriés, donc juste les mains, c'est pas champion. 4, peut-être vous le faire faire par quelqu'un d'autre, parce que là, sérieux, là, c'est sûr, c'est pas égal dans ma tête, là. T'sais, j'espère quasiment plus que ça va être des reflets pour que ben ça apparaisse pas trop, vous comprenez? Bon, c'est assez, là. Ok. Ah, c'est quand même confortable. Hey, je suis vraiment cool. Tu fais comme maman? Là, je vais me mettre un sac pour m'assurer que ça coule pas. Je vais mettre une petite clip en avant. Ah, je vais peut-être la rentrer. Un bonnet de douche aurait bien fait l'affaire aussi. J'en avais pas, clairement. On va faire un petit moment en avant. Oh my gosh, c'est n'importe quoi. Ok, donc là je suis allée m'occuper de mes filles que j'ai un peu déguisées dans les 20 dernières minutes. Puis je vais attendre 2 heures, puis dans 2 heures, on se redonne rendez-vous. À tantôt! Rebonjour! Donc, ça fait 2 heures. Je dois vous dire que c'est vraiment lourd. Genre, j'ai mal à la tête. Fait que je suis contente de l'enlever. L'enlever, dans le fond, c'est juste de rincer. Mais j'ai entendu dire que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Mais puis, c'est pas recommandé non plus de mettre du shampoing parce que ça l'enlèverait de la teinture, je pense. Je suis pas certaine. Mais c'est ça. Je vais rincer le plus longtemps possible. Puis, c'est ça. Pour le résultat, je pense que je vais montrer demain parce que. Ben, la lumière est vraiment pas bonne, puis je pense pas qu'on va voir. Puis quand ça va sécher aussi, ça va plus montrer. Alors, je vais m'enlever ça. Je pense pas que je vais mettre des gants, juste parce que ben, j'en ai plus. De toute façon, je vais faire ça vite, fait que ça devrait pas tacher mes mains. C'est sûr que ma tête ressemble à une grosse crotte. Je sais plus où le bout de papier. C'est quand même drôle, ça. Je parle pas trop fort parce que les filles dorment. J'espère que vous m'entendez. On dirait que ça a cuit sur ma tête. Bon, je vais installer la caméra, puis après, ben, j'y retouche pas jusqu'à ce que ça soit tout rincé. J'ai fini dans la douche, là, honnêtement, je pense que j'ai passé 30 minutes à me rincer les cheveux. Puis à la fin, j'ai juste abandonné. Il restait de la couleur quand je rinçais, mais comme je pense que j'aurais pu passer la nuit dans la douche. Mais c'est ça. Je pense que je vais même pas vous montrer ce soir parce que je sens qu'on va même pas voir. Mais
j'ai regardé mes cheveux puis ils semblaient avoir changé de couleur. Fait que je vais vous montrer le résultat demain matin en espérant que ça allait changer quelque chose. Alors, on est comme 2-3 jours plus tard, je pense. J'ai comme oublié de filmer. Mais là, ok, c'est pas le... Quand il y a vraiment du soleil, ça paraît vraiment beaucoup. Mais là, il y en a pas encore full. Ouais, tout dépendant où je me trouve, ça paraît. Mais bref, ça a fonctionné plus que ce que je pensais, genre... Première fois que ça a séché, j'étais comme... C'est rouge, j'aime pas ça. Mais là, je commence à m'habituer. C'est comme, ça fait changement, puis c'est ça que je voulais. Fait que... Donc, c'est ça. Je pense que c'est une bonne méthode de teinture. Là, c'est à savoir ça dure combien de temps. Ma soeur me dit que c'était comme après un mois, ça commence à partir. Fait que ça me va. Je tiens pas à avoir plus longtemps que ça. Imaginez si c'était genre méga raté, là. Je serais pognée longtemps avec ça. Mais c'est ça. Donc, je vous le recommande, mais suivez pas mes instructions parce que c'était vraiment du n'importe quoi. Mais c'est une belle expérience à avoir faite. Puis là, je les ai frisés avec la méthode, là. Tu sais, la méthode que tu mets de quoi, là, puis que tu les enroules. J'ai pas utilisé de chaleur. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais en tout cas, ça fait changement. Donc c'est ça! Donc c'était le petit vlog d'aujourd'hui, un petit peu n'importe quoi comme vous avez pu voir. J'espère que ça vous a plu et que vous avez bien ri de moi. Sur ce, merci d'avoir été là et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner surtout à ma chaîne. Merci beaucoup, bonne fin de journée, bye!